Chers amis, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous ce soir, tout simplement parce que ce sont les amis qui comptent, qui sont là ce soir. Et j'apprécie tout particulièrement votre présence à toutes et à tous, du fond du cœur. C'est un challenge qui m'a été confié, comme beaucoup d'autres, depuis que je suis rentré au Léo dans les années 70. Avec un père membre fondateur de Lions Club d'Évreux Doyen, et là j'étais tombé dans la marmite ce jour-là. Et donc j'ai une pensée pour lui aujourd'hui, parce que entre le fait qu'il était membre fondateur d'Évreux Doyen, le fait que j'étais président fondateur des Sampons, que j'étais lion guide de Pré-Margaux et lion guide de 109, j'ai un tout petit peu de fierté pour la famille Courtois d'avoir finalement participé à la création des quatre clubs Lions d'Évreux. Oh. Tout a commencé lorsque un charmant paste gouverneur, je ne sais plus si c'est Jocelyne ou si c'est Jean-Marc, ont emboîté le pas des transformations administratives de notre siège avec la création d'un poste qui était chargé de la création des nouveaux clubs. C'est toi, Jean-Marc. Jean-Marc, du reste, m'a précédé en travaillant efficacement avec des amis extrêmement agréables à Caen Léopard, le 69e club mixte du district Normandie. Juste avant, il y avait eu Honfleur, club mixte également, qui nous a fait un très beau congrès. Et aujourd'hui, c'est la naissance d'un nouveau club mixte, Évreux 109, le 70e du district Normandie. Tout a commencé un 12 janvier 2010, où nous avons fait une première réunion avec 9 membres. Mais mon ami Gabi Desgrouas a largement participé à la création de ce club, et donc j'ai aussi une pensée pour lui ce soir. Et je vais appeler, en même temps que je vais vous faire l'historique, je vais déjà commencer à appeler les amis de 109. Et je vais commencer par ceux qui font partie de la création de la branche, c'est-à-dire les 9. Simplement remercier rapidement tous ceux d'entre vous qui venaient des clubs de l'Aigle, Bayeux, Cabourg, Caen Léopard, Elbeuf, Évreux Doyen, Évreux Pré-Margaux, Évreux Sampons, Le Havre Expansion, Le Havre Porte-Océane, Mont-Saint-Aignan, Blanche de Castille, Passy-sur-Eure. On a une représentation dynamique de Passy-sur-Eure. Saint-André de l'Eure, Rouen Cœur de Lion, Rouen Vallée de la Seine et Vernon. Je voulais aussi remercier devant vous ce soir notre club parrain d'Évreux Sampons, mon ancien club, l'ancien club de Didier et l'ancien club de Gabi Desgrouas, qui est représenté ce soir par son immédiat past président, qui au mois de septembre 2009, lors de son premier conseil d'administration, m'a soutenu très fortement et tout au long de son année pour la création de ce club, qui avait obtenu ce jour-là un vote à l'unanimité du conseil d'administration. Tous les Lions de Normandie, je tenais à remercier chaleureusement pour son aide et son engagement très efficace et pas toujours facile à diriger dans notre club, parce qu'il fallait quand même convaincre quelques amis. Vous savez qu'on ne crée pas un nouveau club, notamment mixte, aussi facilement que ça. Merci Gilles Charbonnel pour ton aide. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à notre gouverneur Hugues Menot, qui va poursuivre la cérémonie. J'en ai fini avec l'historique et la présentation du club d'Évreux 109, et je vous remercie de votre attention. Chers amis, vous savez que ce soir, nous vivons un moment de lyonisme important et exceptionnel. Important et exceptionnel parce que la naissance d'un nouveau club, eh bien, c'est un souffle nouveau de liberté, c'est une compréhension nouvelle entre les peuples qui est en train de se faire. Et quand je vois la mixité de ce club, ben, je suis réjoui. Et c'est bien ça le lyonisme, c'est cette ouverture sur le monde entier. Et puis c'est également le service qui apparaît. Eh bien, ce soir, donc, je suis fier, heureux, eh bien, de voir un nouveau club
venir agrandir la famille Lyon. Vous êtes le 45 millième club de la planète. Vous êtes le 1240e club de l'Hexagone. Vous êtes le 70e, il l'a rappelé Jean-Yves, club de Normandie. Mais je pense que vous êtes le premier club par la moyenne d'âge, par le charme, par le sourire. Eh bien, il m'appartient maintenant, donc, au nom du président international Sid Skrug, qui est un Américain, de vous remettre très officiellement votre charte, la charte qui conclut la naissance du club d'Évreux 109. Et cette charte, eh bien, je vais la remettre solennellement donc, à votre président Didier, avec la lettre de Sid Skrug. Donc Didier, dans cette lettre, il y aura également un élément, je ne sais pas comment ça s'appelle, un badge, donc, que tu devras remettre au président de Sampon, qui est donc votre club parrain. Donc je te remets la lettre de Sid Skrug et je te remets très officiellement donc, la charte. Alors je vous la montre et vous l'applaudissez. Fonctionner. Et le président, donc, eh bien, il tient son pouvoir dans un maillet et une cloche. Et donc, le district de Normandie est heureux de te remettre et de t'offrir donc la cloche et le maillet. Et tu commenceras tes réunions toujours en donc, voilà, cher Didier. Donc Jean-Yves, nous sommes heureux de pouvoir te remettre cet insigne. Enfin, eh bien, à titre personnel et donc en tant que gouverneur, je remets donc à Jean-Yves eh bien, la pendulette de Lyon de l'année, donc, qui t'est décernée qu'une pendulette de Oakbrook. Voilà Jean-Yves. Et je crois que je ne me suis jamais arrêté depuis parce que grâce à Jean Béard, j'ai compris que le lyonnisme ne pouvait avancer qu'avec les créations de clubs. Et puis merci, gouverneur, pour... C'était donné un an pour passer de branche en club. Enfin, on a réussi la transformation. Je suis très fier et heureux de recevoir également cette cloche. Nous avons commencé notre engagement Lyons à servir. On l'a commencé avec les premières manifestations de Tulip contre le cancer, où on était assez présents. Également, on s'est investi dans le Téléthon. La création d'un nouveau club, c'est toujours quelque chose de très important et de très heureux. Parce que n'oubliez pas que nous ne sommes pas une association de Lyon. Nous sommes l'association internationale des Lyons Clubs. Les membres de l'association, ce sont les clubs. Et un nouveau club, c'est un événement particulièrement heureux. J'ai créé un autre concept qui était le concept de la branche de club. Et ça... Alors là, c'est Flores, ça c'est vraiment un succès total. Et voilà l'exemple de l'intérêt de la branche de club, qui d'abord est créée pour attirer des membres qui ne sont pas entrés au club, et ensuite se transforme en club. Bravo, je suis particulièrement heureux. Alors aux membres du club de Évreux-les-109, je voudrais vous dire que bienvenue dans cette grande association des Lyons Club. Vous allez y trouver beaucoup de plaisir. Parce que vous allez y trouver un type d'amitié qu'on ne rencontre pas dans toutes les circonstances humaines.
Vous allez y trouver une camaraderie qui tient au service en commun. Parce que même si on n'est pas enclin au service par soi-même, quand on travaille avec les autres, eh bien, on commence à y prendre goût, à prendre plaisir et à être entraîné. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a des moments dans le Lions Club qui sont vraiment magiques. Il y a des soirées où on sent le souffle de la fraternité. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'organisations, beaucoup d'endroits dans le monde où on sent cela. Alors, vous allez vous engager dans les services Lyon. Je ne vais pas vous les décrire, vous le savez, service social, civique, culturel, environnemental, le service à la jeunesse, le service... Le but, finalement, c'est de respecter les principes du lyonisme, qui sont le socle sur lequel repose la solidité et la pérennité de notre association, c'est-à-dire les valeurs du lyonisme, et en les appliquant et en les mettant en œuvre, vous allez transformer la société. Bon vent. Et je vous souhaite que dans 50 ans, vous puissiez fêter un cinquantenaire en vous rappelant tous les bons moments que vous aurez vécu. Je ne vous promets pas d'être là.